On y est, Valérie, bienvenue à toi. Bonjour. Et bonjour Clotilde. Bonjour. Bonjour Clotilde. Bien, Valérie, donc, cette session pour toi, et sur quel point allons-nous travailler ensemble? Alors, donc là, j'énonce tous les points que j'ai listés, c'est ça? Exact. Alors, donc je les énonce et s'il y a quelque chose de pas clair, il ne faut pas hésiter à me le dire, hein, et surtout à m'arrêter. Mais je me suis chronométrée, ça devrait être bon. Alors, impression de ne pas arriver à me convaincre que les gens m'apprécient ou m'aiment, que ce soit des proches ou des gens moins proches. J'ai eu un problème au niveau du cœur, qui était médical en fait. Ça a duré quelques mois, voire un an. J'ai eu un traitement. Les médecins n'ont jamais compris pourquoi j'avais ça. Quel était Je le suis plutôt symptôme? jeune. Myocardite. Myocardite, inflammation, comme un rhume du cœur en fait, C'était myalgie. récent? C'était avant le Covid, il y a bien 2-3 ans, à peu près. Voilà, ça s'est résolu, plus de traitement, depuis tout va bien. Donc très étrange. Impression d'être insensible à certaines situations qui devraient me toucher et trop sensible à d'autres. Difficulté à respirer à plein poumon. Je voudrais être enfin libérée. Je sens un blocage au niveau de l'estomac. Sommeil très perturbé depuis très longtemps. Impossible de dormir plus de 6 heures régulièrement. Réveil souvent au petit matin entre 3 et 5 heures, pardon, sans pouvoir me rendormir réellement. Je fais des petites bribes de sommeil. Transit assez compliqué. Pas de libido depuis presque toujours. Souvenirs et mémoires perturbées. Que ce soit des événements vécus proches ou bien moins proches dans le temps. Qu'est-ce que ça veut Difficulté à dire se. souvenir perturbé? C'est-à-dire que les gens me disent, mais rappelle-toi, on a fait ça et il n'y a pourtant pas si longtemps. Et non, j'y arrive pas. Alors franchement, des fois, je mens à force parce que c'est gênant. Difficulté à se concentrer, à être efficace. Mais ça, je pense que c'est la fatigue. Ça a un lien logique. Être heureuse en couple est difficile alors que j'aspire qu'à ça en fait. J'ai noté que j'ai eu la dentition fragile, je ne sais pas si c'est dû à l'âge. J'ai toujours eu ce sentiment que mon père n'était pas mon père. Alors j'ai noté toujours, c'est faux. Je dirais que c'est depuis l'adolescence. Je me sens en décalage par rapport aux autres. Jamais le bon timing pour apprendre les choses. Je cherche souvent des informations sur tel ou tel sujet et les informations, je les ai, mais trop tard. Donc, il me sert pratiquement plus à rien. J'ai beaucoup de mal à apprendre de nouvelles choses. J'essaie de faire des formations, mais j'arrive pas à m'investir, à aboutir, à arriver à faire quelque chose. Socialement, c'est. Alors, j'ai marqué que c'est compliqué de se faire des amis. Et alors, bizarrement, depuis que j'ai pris rendez-vous, les gens reviennent vers moi. Et je me sens plus heureuse à ce niveau-là, donc je ne sais pas l'expliquer. Je me sens fatiguée, donc, puisque j'ai du mal à dormir, même quand je dors correctement. Je me souviens très rarement de mes rêves. Je me sens seule, très souvent seule à faire les choses, à penser aux choses. Même quand je demande de l'aide, que je pourrais me sentir aidée, je me sens quand même seule. Je lutte très souvent contre la tristesse. Pourtant, je suis assez positive. J'essaie d'être dynamique. Professionnellement, je devrais pas avoir à me plaindre. Mais je suis persuadée que je peux faire plein d'autres choses. Et ça bouge pas, en fait. On me félicite, on me fait des compliments. Mais voilà, je suis toujours là, à la même place. Rien n'évolue. Alors, nourriture, je mange. Alors, en plus, depuis plus d'un an maintenant, je mange, mais. À me gaver alors que je voudrais me contrôler, j'arrive pas à me restreindre. Tu gardes la L'argent. nourriture? Tu gardes la nourriture, Oui. c'est une sorte de boulimie? Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. L'argent me file entre les doigts. J'arrive pas du tout à gérer, à économiser. Compliqué de faire du sport. Alors pour moi, la fatigue en est une cause logique. Et les fois où j'essaie de m'y remettre, je me fais mal. Du coup, j'arrête, j'ai du mal à reprendre, etc.
Voilà, après j'avais noté des choses que j'avais faites, donc je ne sais pas si c'est important. J'ai réalisé de la micro-kiné. Parce que ça, ce sont, je vais, tout ce que je vais énoncer, ce sont des gens qui m'ont un peu touchée. Donc, quelque part. Donc rien à voir avec ce travail-là, puisque c'était la question que je te posais avant qu'on ne commence, rien à voir avec l'hypnose de régression. Comment ça, rien à voir? Ah non, non, c'est pas du tout le même travail. D'accord. Pardon, oui, je n'avais pas Alors on est compris. clair. Désolée. Vas-y. Oui. J'ai vu une voyante en face à face à deux reprises dans ma vie, je crois, que c'était du tarot essentiellement. J'ai vu un magnétiseur, une kinésiologue. Une géobiologue est venue chez nous et nous a dit avoir fait partir des entités. Et pourquoi est-ce que tu J'ai vu as une... appelé tous ces gens? Par quelle intention étais-tu portée? Alors, les voyantes, c'est parce que c'était des périodes de ma vie où j'avais besoin de réponses parce que j'étais malheureuse. Micro-kiné, kinésiologue, c'est essentiellement pour régler ce problème de fatigue. Chercher un moyen de régler ça, en fait. Donc, ça n'a pas abouti. Ah oui, et puis j'ai vu une voyante à distance, en fait, avec WhatsApp, qui, elle, m'a dit qu'il y avait quelqu'un de négatif autour de moi qui me faisait une sorte de magie noire ou je ne sais pas trop quoi, qu'il fallait que je m'en débarrasse. Et je l'ai fait, j'ai suivi son contact, enfin, j'ai contacté la personne, et elle m'a dit qu'elle a fait ce qu'il faut. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, et après. Après, c'est de la curiosité. En fait, j'ai un souvenir de colonie de vacances, de quand j'étais plus petite, vers 8 ans, je pense, où on se promène en forêt. Et là, je vois, tout le monde est autour de moi dans le chemin en forêt. Et là, je vois une sorte de sorcière très, très grande, très maigre, avec une main très maigrichonne, qui me tend la main et qui me dit viens, et évidemment, qui me fait très, très peur. Est-ce que Et tu as j'ai été jamais la su. seule enfant à la voir ou d'autres enfants en ont été témoins? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai toujours été solitaire et je ne Ok. pense pas en avoir parlé. J'ai pas souvenir d'en parler après de ça. C'est peut-être juste un cauchemar. Hein. Et tout ce qui m'est arrivé, donc 95% de ce qui m'arrive au niveau physique dans le corps, c'est du côté gauche. Donc le cœur, une sciatique, des verrues, douleurs aux orteils, des grains de beauté que j'ai enlevés, douleurs dans le dos. J'avais une tache rose longtemps au visage et j'entends pas les sons graves du côté gauche à l'oreille. Mais bon, c'est la plupart des choses sont rentrées dans l'ordre, sauf l'ouïe, bien sûr. Pour autant, la dernière phrase, tu m'as mis, la plupart de ces choses sont rentrées dans l'ordre. Donc Oui. ces choses-là, ce sont ces choses-là physiques. Oui, tout à fait. Ok. Oui. Voilà, moi j'ai énoncé mes points. J'ai fini ma liste. Bien. Donc, tu me mettais également que tu ne te sens pas prête à être hypnotisée et que tu veux passer par une gentille télépathe. Je ne sais pas si Clotilde est gentille, mais en tous les cas, elle est télépathe. Donc, J'en suis sûre. on y va avec elle? Ah oui. Bien, alors je te laisse éteindre ton micro, Valérie, Oui. te détendre de ton côté, si tu le souhaites, et on y va. Ok. Bien, Clotilde, je te laisse t'installer. Fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Ok. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Valérie. Non, je suis déjà avec elle. L'ADN lui correspond? Oui. Capte son champ vibratoire. Qu'est-ce qu'elle émet? Elle émet un grand sentiment de lassitude. Vibratoirement, ça se rapproche d'une émotion neutre. Il y a très peu d'émotions qui se dégagent.
Mais pourtant, c'est la lassitude que je lis. Elle est suspendue à une sorte de main mécanique qu'elle perçoit comme un être vivant. Elle est suspendue comment? Elle est suspendue par le cou, en hauteur. Et elle est le pouce de... C'est comme une main, mais je dirais plutôt, tu vois, une serre d'oiseau, une patte d'oiseau. Et il y a une sorte de d'ongle qui est planté dans son cou côté gauche. Est-ce que la situation était celle-ci il y a 24 heures de notre temps terrestre? Il y a une semaine? Oui. Rien n'a changé en vue de notre session? Non. Cette main dont on parle, qui enserre son cou, est-elle consciente? Pas du tout, il n'y a pas de conscience. Donc, on peut l'appeler tout autant bras. Oui. Regarde ses yeux à elle. La reconnais-tu? Oui. Est-ce qu'elle nous reconnaît? Non. Elle pense qu'elle a touché le sol, elle me dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que je vois, c'est que sur des périodes de 5 ans, elle est reposée au sol, comme pour être reprogrammée. Enfin, ce sol, ça lui donne le sentiment de changer de condition. Chaque 5 ans? Oui, sur des cycles de 5 ans. Pourquoi chaque 5 ans? Pourquoi pas chaque année? Parce qu'il faut que ça perdure. Pour qu'il y ait un temps de construction dans le domaine physique. Mais de construction de quoi? La lassitude doit s'installer aussi, d'un point de vue physique. Reprogrammer, c'est ce que tu as dit? Oui, rajouter des programmations. C'est pas vraiment reprogrammer, c'est rajouter des programmations. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle l'est. Et ce que je vois au niveau de sa partie subliminale, c'est qu'il y a un énorme trou au niveau de son ventre. Et elle n'arrête pas de dire qu'elle est incomplète. Mais si je m'approche, je vois pas de trou. Alors pourquoi faut-il qu'elle croie, tu vois, lapsus, crée, croit. Pourquoi faut-il qu'elle croie être incomplète? En quoi cela sert l'interférence, si c'est le cas? Parce que comme ça, elle passera son temps à chercher ce morceau qui manque. Et elle ne créera rien d'autre. Restons sur ce morceau manquant, entre guillemets. Si la partie subliminale est convaincue que ce morceau de soi est absent, est-ce que déjà ça influence son corps physique, la façon d'animer son corps physique? Oui, son corps physique se sent vide. Il cherche à compléter et chez lui, ça lui donne instinctivement ce sentiment de fatigue. Comme si cette partie manquante, c'était une barre de batterie qui manquait. Autrement dit? Eh bien, ça génère chez elle ce ressenti de fatigue, qui n'est pas forcément lié à cette perte énergétique. Mais quand tu regardes, toi, son corps est complet. Oui, il est complet. Pour autant, est-ce qu'il y a la même vie énergétique dans le ventre et dans les autres membres? Elle ne peut pas faire vivre. C'est complètement figé. Dans le ventre, c'est complètement figé. Complètement figé. Comment se fait-il qu'elle ne nous reconnaisse pas? Elle a beaucoup, beaucoup d'implants au niveau du crâne, Aurore. Elle a la capacité de voir ce que l'interférence veut qu'elle voie et qu'elle se rappelle ce qu'il veut qu'elle se rappelle. Ok. Alors présente-toi. Mmh. Présente-moi. Et dis-lui que j'aimerais lui parler directement. Y consent-elle? Oui.
Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec Valérie. Valérie. Bonjour. Discutons ensemble un moment. Acceptes-tu? C'est quand la dernière fois que quelqu'un est venu parler avec toi? Je ne me rappelle pas. Es-tu surprise de ma visite? Oui, mais je suis contente de voir des gens. Je viens pour te reprogrammer. Le temps est venu. Heureuse? Tu vas améliorer les choses. Comme les autres, avant moi. Je vais bien essayer. C'est ce que tu attends, n'est-ce pas? Oui. Se passe-t-il quand tes pieds touchent le sol? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens vivante. Ça dure pas longtemps. Pourquoi non? Parce qu'immédiatement, je suis de nouveau suspendue. Qu'est-ce que ça change énergétiquement? Je n'ai plus de vie énergétique. C'est-à-dire que quand tes pieds touchent le sol, tu as de l'énergie. Quand ils quittent le sol, tu n'en as plus? Oui, je vibre un peu plus quand je suis au sol. Alors pourquoi ne pas rester au sol? Parce que c'est pas moi qui décide. Qui donc? Moi? La main qui me tient. Tu sais, j'ai essayé de communiquer avec cette main. Je l'ai même touchée. Il n'y a rien du tout qui répond. C'est donc normal qu'il n'y ait pas de réaction de cette main, puisqu'il ne s'agit que d'un objet. Mais comment je peux être sûre que c'est un objet? Si je dis simplement qu'il s'agit d'un objet. Si je dis simplement qu'il s'agit d'une illusion. Je n'avais pas vu ça comme ça. Alors permets-moi de te dire que je suis envoyée par quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui, j'imagine, est dans ce monde l'être qui tient le plus à toi, pour qui tu comptes le plus. Qui donc ça pourrait être? Moi. Ton corps physique. Te souviens-tu d'avoir un corps? Parce que lui se souvient bien de toi. Oui. Pourquoi crois-tu que ton corps physique m'envoie? Nous avons une rencontre de la plus haute importance aujourd'hui. Parce qu'ils se sont pas complets. L'est-il? Incomplet? Oui, regarde. Que dois-je regarder? Me montrerais-tu? Ce trou-là. Je suis incomplète. J'ai beau regarder, tu sais, je ne vois pas de trou. Montre-moi encore. C'est comme un vortex. Oh. Pourquoi tu ne le vois pas? Je ne le vois pas. J'essaye pourtant. À l'extérieur du corps, tu veux dire? Oui, il n'y a pas de vie ici. Je ne ressens rien. C'est une partie manquante. Je ne vois pas de partie manquante. Je vois, par contre, tout un tas d'objets dans ta tête. Une sorte de surcharge. Des choses qui ne sont pas humaines.
Pourquoi tu plaçais ces choses dans ta tête? Je n'ai rien placé, je ne les sens même pas. Tu sens pourtant ce bras? Je le vois. Je le ressens. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger au juste? Je ne touche pas à rien. Je suis figée par cette chose qui m'étrangle. Il s'agit d'un objet. Est-ce que tu souhaites que je te libère de cet objet? Que je l'ouvre? Dis-le plus fort. Oui. Et ce bras mécanique te libère. Nous voilà au sol. Et alors quoi? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Je vibre un peu plus. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui vibre? Et c'est bien. Ça signifie que cette tristesse était comme cristallisée comme une pierre fixe dans ton corps. Et le fait de modifier légèrement ta situation rend vie à ces émotions. Ça veut dire qu'on a encore le pouvoir de les travailler, ces émotions. Voilà la bonne nouvelle. Réjouis-toi d'être triste. Réjouis-toi. Maintenant, avec ses pieds sur ce sol, je veux que tu regardes ton corps physique. Il Ton est triste. corps, sa forme, sa densité, ses vibrations qui le traversent, la façon dont il respire, dont il pense. Ressens-le. Il se sent limité, tel un pantin de la vie. Pourrait-il en être autrement? Si Comment? j'étais à 100% avec lui, il en serait autrement. Et ce corps resterait limité? Oui, mais c'est mon corps physique. Je veux être un appui pour lui. Je veux qu'on ne fasse qu'un. Pourquoi? Parce que je veux vivre cette expérience à 100%. Et pourquoi? Pourquoi pas partir, puisque déjà je peux te libérer de ce bras, pourquoi pas te libérer absolument de tout? Libération. Non, pas. Je suis tout simplement parce que je veux vivre cette expérience de Valérie. Mais pourquoi ça vaut la peine? Parce que ça peut être beau, la vie. Comment le savoir? Reste à voir la lumière de certains humains. Regarde-toi. Tu vois la lumière des autres? Je vois ta légèreté. Je vois ta capacité à vibrer. Et je veux faire pareil. Cela a un coût, tu sais. C'est vraiment ce que ça signifie. Ça signifie qu'au cours de mon parcours, il a fallu que je cesse de regarder à l'extérieur de moi, que je fasse fi de ce système dans lequel j'évoluais et que je plonge littéralement à l'intérieur de moi. Une rencontre avec soi, avec les mémoires les plus profondes, avec mes propres démons, avec mes propres ennemis. Tout ce que j'avais créé dans le corps et que je décide pour chacune de ces choses de faire la paix. La paix. La paix parce que je ne tolérerai pas que mon corps vibre avec tristesse, colère, peur, culpabilité. Tu sais, ces pierres qui font mal, qui plombe une existence humaine.
Ça a un coût. Déjà, on pleure, comme tu l'as fait il y a un instant. Parce que l'émotion redevient vivante et toutes les informations liées à ces émotions défilent dans l'esprit. Et ça peut faire un mal, encore plus mal. Et il faut les accepter. Parce que c'est l'unique voie de libération. Tu vois, c'est drôlement coûteux. Que dis-tu? Que je veux emprunter ce chemin vers ma liberté aujourd'hui. Alors avant d'emprunter ce chemin, j'aimerais savoir où nous sommes. Regarde autour de toi. Tes pieds posés au sol. Où sommes-nous? Dans un décor funeste. Il n'y a pas de vie ici. Tu sais où nous sommes? Et il n'y a pas de vie ici. Et ce corps est là. Et ce corps est fatigué. Et ce corps a cessé d'évoluer. Ce corps encore n'a plus d'envie. Nous sommes chez toi. Dans cette enveloppe physique, il y a encore une minute, tu voulais ramener à la vie. Alors tu vois, le chemin est sacrément long entre ici et la libération. Est-ce que ça vaut la peine vraiment? Oui. Est-ce toi qui as créé ce décor funeste? Au gré du temps, sûrement. Oh, réellement? Comment tu t'y es prise pour t'accrocher le cou comme ça en suspension? Je ne sais pas. Regarde. Souviens-toi. Je suis responsable de tout. Alors pourquoi t'infliger tout cela? Explique-moi. Parce que c'est le prix à payer pour être humaine. Cette idée vient de toi? C'est inscrit. Ah oui? Où ça? Sur une partie de mon bras. Lirais-tu ce qui est écrit? Que je suis le pantin de la vie. Et que je n'ai rien d'autre à faire. À suivre un chemin tracé, décidé. D'accord, d'accord, admettons. Regarde mes bras. Est-ce que je porte les mêmes écritures? Comment cela est-il possible puisque je suis humaine, n'est-ce pas? Oui. Alors quoi? Pourquoi sommes-nous si différentes? Pourquoi je ne porte pas ces écritures? Tu n'as pas fait les mêmes choix que moi. Quel choix as-tu fait? Je m'en rappelle pas. Qu'est-ce qui t'empêche de te souvenir? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'accès à tes mémoires? Je suis gênée. Je suis gênée par tout ce qui est dans ma tête. Alors voilà ce qu'on va faire. Un simple oui. Une simple autorisation. Et me voilà en mesure de faire en sorte que le champ d'influence de ces objets cesse de rayonner dans ta tête. Un simple oui. Oui. Alors, regarde si leur rayonnance s'affaiblissait à mesure que ton corps physique bat. Les battements de cœur. Et cette rayonnance finit par s'éteindre enfin. Et tu y vois plus clair, tout à coup. Quand t'es-tu infligé une telle situation?
contrat que j'ai passé pour retrouver les miens à ma vie prochaine. Retrouver les tiens, mais de qui parlons-nous? De mon fils et de mon mari. Quel contrat as-tu signé? Je devais partir avec lui pour l'aider dans ses recherches d'hybridation. D'hybridation? Qu'est-ce qui devait être hybridé? Trois espèces. Nomme-les. Reptilienne et humanoïde. Ton mari s'adonne à des hybridations? Non, c'est pas mon mari. Qui est-ce alors? C'était quelqu'un de mon peuple. Mais en fait, c'est pas du tout quelqu'un de mon peuple. Ah, qu'est-ce que tu es, toi? J'étais une humaine d'une autre planète. Qu'est-ce que tu regardes? Cet être qui se présente et qui n'est pas du tout mon mari, et qui est cet être que je Qu'est-il vois. arrivé? Je me rappelle. Je Il sais que tu te rappelles. A décimé tous les miens. Et il en a sélectionné quelques-uns qu'il voulait sauver. Sauver? Sauver ou épargner? Épargner plutôt. Pourquoi en épargner certains? Pour notre riche connaissance sur le vivant. Pourquoi pas tous les autres? Pourquoi seulement une poignée? Les plus faibles émotionnellement. Et j'en faisais partie. Faible émotionnellement? Oui. Qu'est-ce que ça signifie? J'étais dotée d'une extrême sensibilité. Alors Je la pouvais. sensibilité est une faiblesse? Oui. C'est écrit où ça? Sur quelle partie du corps? Dans mon dos. Ce savoir, en quoi consistait-il? J'arrivais à donner vie à des petits êtres qui avaient disparu des planètes. Répète. J'arrivais à donner vie à des petits êtres qui avaient disparu des planètes qui avaient été envahies. J'étais une sorte de généticienne. Je redonnais vie sur ces planètes. J'avais beaucoup de savoir. À des espèces disparues. Oui. Comme pour recréer une chaîne alimentaire. Les autres, ceux qui ont été épargnés, à quoi se dédiaient-ils? À la même chose que moi. Alors tu comprends déjà que ce n'est pas pour votre prétendue faiblesse que vous avez été sélectionné. Comprends-le, intègre-le. Vous avez été choisi. Qu'ont-ils fait de toi, de ton savoir? Rien du tout. Rien du Parce tout, que tu ne j'ai te souviens résisté. pas. Non, je n'ai pas voulu partager. Ces êtres-là savaient déjà procéder à des hybridations. Pourquoi ne pas leur partager ce savoir? Dis-moi. Parce que j'ai vu ce qu'il faisait. C'était pas pour le bien de l'humanité. Que Bien faisait-il? de personne. Que faisait-il? Il voulait créer ces hybrides pour récolter encore plus d'énergie, encore plus asservir les peuples.
sacre et la perte de l'univers. Pourquoi les avoir laissés rentrer dans ton espace alors, si tu savais toutes ces choses? Parce que j'étais tellement, tellement triste d'avoir perdu les êtres chers. Ils les avaient pris en otage et les ont tués sous mon Dieu. À quoi ressemble ton corps d'humain? Je suis une femme. Quelle différence avec nous autres sur Terre? Nous sommes beaucoup plus fins et plus petits. Nous avons des cheveux. Les yeux. La plupart du temps très clair, du bleu au vert. La couleur de votre peau. Très pâle, blanche. Habillés, dévêtus. Nous sommes habillés comme vous, mais avec des tenues spéciales. Pourquoi spéciales? Parce que nous nous protégeons beaucoup des rayonnements. Le visage également? Oui. Pourquoi faut-il se prémunir du rayonnement? Parce que nous tirons notre lumière d'un astre qui provoque des brûlures sur notre peau. Vous reproduisez-vous? Oui. Comment? Comme vous. Et souvent, nous naissons par deux. Les jumeaux? Oui. Que mangez-vous? Des plantes. Avez-vous des animaux? Oui. Le fruit de ces hybridations ou des espèces plus pures? Des espèces pures. Nous ne faisons pas d'hybridation. Alors, pourquoi te dédier à cela? Cet être a voulu que je crée des hybrides parce que je connaissais bien le vivant. Je ne faisais que récupérer de l'ADN d'êtres qui ont existé pour les recréer. Il n'y a pas d'hybridation. Donc il a demandé à ce que tu hybrides certaines espèces. Oui. Quelle était l'intention de cet être selon toi? Nuire à tout le monde. Pourquoi te voilà si affligée? Est-ce que ce n'est pas ce que je me suis fait avoir? Soulagement qu'enfin d'avoir accès à tes mémoires. J'ai été dupée. Oui, mais le simple fait d'en parler avec moi rend déjà la duperie plus claire, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi la Terre? Pourquoi ont-ils choisi la Terre pour toi? Pourquoi pas ailleurs? L'univers est si riche. Ma grande sensibilité. Explique-moi. Cette tristesse infinie que je porte. Ils m'ont fait croire que sur cette planète, je les retrouverai. Et que cette partie qui me manque est sur Terre. Mais comme tu dis, il n'y a pas de partie qui manque. Si je regarde, il n'y a rien qui manque. Non. Absolument rien. Y a-t-il encore quelque chose à combler à l'intérieur de toi? Je souhaiterais revoir mon mari et mon fils. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Pas moi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne m'en rappelais déjà pas de rien. Oui, mais là tout a changé. Tout a changé. Oui. Cherche-les. L'un est sur Terre et l'autre est dans une autre galaxie. Tu vois, tous immortels. Oui. Et alors quoi? Voilà que tu les as retrouvés. Peux-tu seulement communiquer avec eux? Oui. Montre-moi. J'ai
J'ai appelé mon mari. Communique avec lui sans l'appeler. Comme ce téléphone que nous utilisons dans le présent. Il ne se rappelle plus de moi. Faut-il lui rappeler qui tu es? Non, c'est pas utile. L'autre? Il sait faire sur des calculs. Oui, il se rappelle. Il me sourit. Est-ce que ça change de communiquer avec ceux du passé? Ça me rappelle combien je suis immortelle et je suis capable de tout. Immortelle signifie aussi que tu n'as pas toujours été prisonnière, que tu n'as pas toujours été aussi limitée. C'est important. Maintenant, retour dans le présent. Dans le présent. Parle-moi encore de ce décor qui nous entoure. C'est comme ce qu'on voit sur la lune. Désertique. Tu fais noir. Quelques étoiles dans le ciel. Ok. Est-ce qu'il fait noir seulement en dehors ou également en dedans? En dehors et en dedans. Pourquoi cette lassitude? Pourquoi es-tu si lasse? Parce que j'en ai marre de ce décor. Et au fur et à mesure que tu me parles, je me rends bien compte que je ne veux absolument plus de ça. Permets-moi de te raconter un secret. Jusqu'à encore hier, ton corps physique doutait. Dois-je faire ce travail? Dois-je abandonner ce travail à un autre que moi? Est-ce qu'il peut me convaincre? Que ce travail va avoir une efficacité, que ça vaut la peine. Parce que je sens en moi cette détermination, je sens que je veux aller plus loin dans ce travail. Pourquoi moi? Pourquoi penses-tu que ton corps physique me choisit moi? Parce que tu es liberté. Et je t'ai montré aussi que ça a un coût. Et ça, je m'en fiche, j'ai pas peur. Et je n'ai pas seulement parlé de peur. J'ai également parlé de tristesse, de regret, de remords, de colère. Mais ce sont des émotions, ça ne va pas me tuer. En réalité, si, ça pourrait. Certains en meurent. Certains tombent si malades qu'ils n'arrivent pas à se relever physiquement. Ça parce qu'ils sont surchargés. Vie après vie, n'est pas seulement le résultat d'une seule vie, non, de plusieurs vies. Et tout ça s'accumule énergétiquement et paralyse tout le. Et que se passe-t-il selon toi quand il y a cette accumulation énergétique, négative, j'entends? Je vais tomber malade. Mais je peux aussi me débarrasser de ça, j'en veux pas. Je peux pas décider de tomber malade. Te débarrasser de quoi? Puisque déjà, ce bras t'était insurmontable il y a encore quelques minutes. À propos, si tu n'as pas créé toi ce bras,
Qui donc l'a créé? L'être qui rit devant moi. Il rit. Dis-lui que j'aimerais rire aussi. Il m'intimide. Comment? Il dit que toi, ça te fera pas rire. En me Comment? disant que j'y arriverai pas. Qu'il me retrouvera. Mais j'y crois pas. En réalité, si. Il a raison. Te retrouver, c'est tout à fait possible. À condition d'être fréquentiellement compatible. À quelle émotion vibre ce corps de créature? C'est très froid, je vois pas d'émotion. Bien, alors, inversons la question. De quoi se nourrit-il de ton corps? Ma tristesse. Tristesse. Bien. Et dans son corps, tristesse traduite comme froid, c'est ça? Froideur? Oui. Comment pourrais-tu devenir incompatible avec cet être, ne plus le voir et lui ne plus te voir? Je n'ai plus à produire tristesse. Te libérer de cette tristesse dans le corps. Cette tristesse a-t-elle seulement une raison d'être dans ton corps? Non, elle n'a aucune raison d'être dans mon corps. Était-elle uniquement liée à ces pertes d'hier? C'est une accumulation. Une accumulation. Quand? Quand as-tu produit tristesse? Un autre moment que celui où on est allé. Quand? Une autre vie où j'ai perdu toute ma famille dans un incendie et je suis morte dans cet incendie. J'ai voulu sauver ma fille et mon fils. Une vie humaine? Oui. Dis-moi une chose. Toutes ces informations, toutes ces émotions. Comment ta famille d'aujourd'hui les lit, si c'est le cas? Ils lisent en moi ma lassitude, ma peur de les perdre et ma fille lit mon obsession de la perdre. Tu sais ce qu'elle lit encore? Elle lit cette peur. Et elle lit la mort aussi. Parce que fréquentiellement, la perte équivaut à la mort. Et ça peut être extrêmement perturbant que de voir maman dans les yeux et de lire cette peur de la mort de ses enfants. Le fait que d'un moment à l'autre, ils puissent disparaître, c'est extrêmement puissant. Et puis incomplète, n'est-ce pas? Faut-il chercher quelque chose pour devenir complète, ou as-tu déjà compris qu'il n'y avait pas d'incomplétude? J'ai compris que j'étais complète, que j'avais rien à chercher, ni à l'extérieur, ni en dedans. Ok. Alors maintenant, tous ceux qui sont connectés à toi, directement, dans notre présent 2022, nous demandons à les voir. À les voir maintenant. Qui donc se présente? Cet être qui m'a imposé ce casque sur la tête, cette main qui m'étranglait, ce faux manque. De quoi il a l'air? Il ressemble à un humain glacé, avec des yeux bleus. Est-ce qu'il a des cheveux? Oui. Qui lui arrive
au niveau des épaules. Est-il vêtu? Oui, avec une grande toge blanche et bien. Une sorte de cuirasse. Là, tu vas faire silence, juste 10 secondes, et tu vas entendre ses pensées. Il dit que nous, les humains, nous sommes minables. Quoi d'autre? Il dit aussi que je ne peux pas partir et que personne ne doit partir parce que nous sommes leur nourriture. T'es mes deux choix. Minables et pleins de pouvoir. Minable et rempli comme un grand frigo plein de mets les plus succulents, mais minable quand même. Alors, si c'est le cas, si tu es si minable, pourquoi est-ce qu'il ne va pas brouter ailleurs? Trouver un autre frigo? Parce que je suis un formidable garde-manger. Y consens-tu? Non, je suis pas un garde-manger. Non? Je n'y consens plus. Est-ce que tu as seulement le choix? Comme nos animaux sur Terre se font manger, des batteries d'animaux, légions se font manger. Ont-ils seulement le choix? Non. Pourtant, ils communiquent télépathiquement en demandant qu'on épargne leur vie. Ne sont pas considérés, ils ne sont pas entendus. Comment peut-on prétendre, nous autres, à être entendus par ceux qui nous mangent? Valérie? Je comprends qu'il est chez moi. Et là est toute la différence. Il est chez toi, envahissant tes organes, tes cellules, ton intellect et ta mémoire. Il est chez toi. Imagine un instant une maison. Voilà qu'il entre. Parce que dans un espace-temps donné, la porte a été ouverte. Et voilà qu'il s'est installé dans chaque recoin de cette maison, en prétendant que cette maison est à lui. Mais qui est donc le propriétaire ici? Dis-le haut et dis-le fort. C'est ma maison. Pas moi, dis-le lui. C'est ma maison. Qu'est-ce que ça change? Il aura un petit yeux. Pour l'illusion, alors encore. Parce que tu auras beau crier, tu auras beau hurler et réclamer libération. Ça ne marchera pas. Là, à ce stade, tu peux même dire que tu romps le pacte. Fais-le. Je renonce à ces écritures. Je viens de comprendre. Qu'as-tu compris? C'est la tristesse qui me lie à lui. Et toutes ces émotions passent. Que je peux produire. Autrement dit, la seule ennemie ici, c'est toi. Tu deviens ta meilleure amie. Tu prends un instant pour faire la paix avec toutes tes mémoires. Tu autorises ton corps à vibrer à une autre fréquence que cette tristesse et cette lassitude. Et comme un château de cartes, tu sais, dont on pousse la première carte, c'est tout le château qui tombe, toute ta situation ésotérique qui tombe. Juste parce que tu travailles cette émotion.
Que fais-tu? Je fais la paix. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte, Clotilde. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Regarde-la. Elle passe ses mains sur tous tes fils. Ses émotions sont comme des fils, elle en fait des pelotes qu'elle sort à l'extérieur d'elle. Elle les tient dans ses bras, ses pelotes. Seulement tristesse ou il y a d'autres fréquences qui sont Non, il y a liées? de la colère et de la peur. Aurore. Alors elle se souvient de mes mots, plutôt. Cette inclinaison à l'intérieur, cette rencontre avec les mémoires, avec les passés. Et comme si chaque information se décapsulait de l'émotion à basse fréquence qui est liée. Ne gardons que l'information et séparons-nous de cet emballage désagréable, lourd, nocif et toxique pour le corps. Oui, c'est exactement ça. Quand tu parles d'emballage, je la vois comme enlever un vêtement qui partirait en petites pièces, comme du plastique qui explose. Bien. Dans le présent, c'est là où nous sommes. Bien. Laisse-la processer. D'accord? Elle est bien partie. Ok. Vie sur Terre? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Elle l'a mentionné, mais j'aimerais avoir ton retour sur cela. Il y a eu 5 vies sur Terre. Toujours une femme avec la perte de proches ou la recherche sans cesse d'une personne. Comme un sentiment de manque, tu vois. Ah, toujours ce manque, cette incomplétude. Restons sur ça. Tout ce qui provoque, ce qui relève des troubles alimentaires, côté On est dans ésotérique, ce... si on a. Oui. Le trou. Le trou, la partie subliminale n'arrête pas de crier au corps physique qu'il y a un manque. Le corps physique veut combler ce trou comme mettre des cailloux dans un puits. Elle dit que c'est difficile d'être heureuse en couple. Elle n'arrive pas à sentir les vibrations des autres, tu sais. Quand elle était accrochée à ce bras. Elle a du mal à lire les autres. Donc elle a du mal à ressentir ses émotions venant de l'extérieur. Et difficulté pour respirer avec amplitude. Le fait d'être dans cette posture étirée vers le bas, coup de tension, en fait, ça part de la gorge et moi j'avais un ressenti corporel. Ça te tire sur toute la cage thoracique, tu as du mal à. Prendre une profonde inspiration. Tu as parlé d'un casque plutôt. Quelle est sa fonction au juste? L'empêcher de. Alors, dans le domaine physique, l'empêcher d'aller au bout de ses créations, de ses idées. Avorter, induire des petites phrases d'autres qui peuvent passer pour de l'auto-sabotage. Tu vas pas y arriver, tu n'es pas capable de faire ça. Autre chose dans son corps ne lui appartenant pas, scanne-le. Non, je vois rien d'autre. Quel impact avait ce bras? Elle ressentait partiellement les émotions des autres. Elle avait du mal à lire. Et ça l'empêchait déjà, sa partie subliminale de vibrer un peu plus. Et surtout, problème Qu'est-ce que de ça veut dire? communication entre les différents corps. Tu vois, ce Problème de corps sexuel, communication entre les corps? oui, le corps sexuel, eh ben, comme la partie subliminale
voyais, je sentais incomplète. Ce corps sexuel, pour elle, n'existait pas, ou très peu, à 5%. Et il y avait très peu de circulation énergétique entre ces corps. Quand Valérie parle de sommeil court ou perturbé, C'est la machine qui l'enserre un peu plus, les moments où l'énergie était récupérée. Parce que ce bras servait aussi à récupérer cette énergie. rappelle-moi ce qui se passe tous les 5 ans. Elle est reposée au sol et on lui rajoute des programmations. Les dernières qui ont été rajoutées, Lily. Qu'elle n'a pas besoin d'aller plus loin parce que sa fin est proche. Elle va pas vivre longtemps. Ce problème au cœur qui a duré quelques mois, cause ésotérique, oui ou non? Je n'en vois pas. Physique donc? La dentition fragile. L'étranglement, ça empêche la partie haute du corps d'être soutenue au niveau par la partie subliminale. Je vois une mauvaise circulation au niveau de la face. Ce déséquilibre côté gauche du corps. C'est lié à la griffe là que je te disais qui est plantée. C'est comme si ça créait une fuite énergétique sur son côté gauche. Ok. À ce stade, comment est-ce que tu te sens avec elle en cet instant? Sereine. Pourquoi sereine? Parce que c'est ce qu'elle vibre. Elle redécouvre plein de choses, elle fait les choses avec beaucoup de calme et elle s'observe beaucoup, comme si elle réouvrait les pages de son propre livre, rien qu'à elle, et elle savoure. En dépit de ce qui est archivisé dans ses mémoires. Bah, elle voit qu'il y a des choses qui lui parlent pas. Elle me Exemple. dit que cet être a même écrit des choses dans ce livre qui sont archi fausses. Comme des bases. Elle me dit que ce sont des programmations. Livre. Me C'est son confierait-elle ce archive livre? personnelle. Elle me dit que non, que c'est Pourquoi son non? propre livre. Ça signifie quoi? Que ces archives, que ces mémoires sont à l'extérieur du corps? Elle me dit qu'elle peut les sortir si elle a envie, mais c'est une manière pour elle de montrer qu'elle récupère toutes ses mémoires. Alors C'est ça dis-lui que qu'elle ça veut n'est pas montrer. nécessaire. Elle l'a fait disparaître. Elle me dit, je regarde en moi. Quand on cherche à se manifester à l'extérieur de soi à travers différents objets, il faut nourrir, entretenir cette création à l'extérieur de nous et c'est coûteux en énergie. Mieux vaut rester stable, équilibré dans notre unité, dans notre forme, et se renouveler, se recréer à chaque instant. Sans rien extérioriser. Oui, elle t'a entendu. Et elle se souvient que tout à l'heure, je lui ai parlé d'un processus d'inclinaison vers l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin de sortir archive après archive, non? Il suffit tout à coup de plonger à l'intérieur de soi. Et c'est d'un grand intérêt parce que effectivement, on retrouve des épisodes peut-être douloureux, mais on est tellement plus que ça. Il y a eu de si riches, de si intenses moments, de
si intenses vibrations. Finalement, tout le reste, c'est comme quelques gouttes dans un océan. Ça ne nous définit pas. Qu'est pas ça? Dans le présent. Je la vois se défaire de ses croyances, ses étiquettes qui étaient collées. Ses écritures. Son corps. Ouais. Alors, l'instruction doit être plus courte encore que cela. Tout ce qui a été créé dans mon corps par une autre conscience que la mienne. Tout ce qui a été créé dans mon corps qui vibre à une valeur toxique, négative, néfaste. Tout ce que j'identifie comme non moi cesse d'exister. Tout a disparu. Où sont les implants? Tout est au sol. Je vois les implants, toutes les inscriptions, ça a disparu. C'est réduit en cendres. Ces implants qu'elle avait sur la tête. Parle-moi du décor. On a changé, on est sur une sorte de ciel rose. Elle aime beaucoup les couleurs pâles. Qui donc a créé ce ciel? Elle te dit que c'est elle. À quelle émotion correspond ce ciel? La paix. La paix. Où est l'autre? Il est juste devant elle. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent dans cette création rosée. C'est comme s'il fumait, en fait. Il n'est pas bien du tout. Alors elle se rappelle qu'elle est dans son espace énergétique. Elle peut nous virer, nous. Mais elle va nous tolérer encore quelques minutes. L'autre, elle décide de le garder ou pas dans sa maison. Non, on vient de demander si elle peut le virer maintenant, que c'est le moment. Bien, mais virer tout, les empreintes, les résidus. Virer complètement cet être. Jusqu'à ce qu'il cesse d'exister de son corps, de son espace. Connecté complètement de tous, complètement de tout. Ça y est. Sommes-nous toujours dans ce décor rosé? Oui. Oui. Elle s'est parée d'une jolie robe avec des dorures. Elle brille, c'est très joli. Elle sourit. Comment se sent-elle? Légère, vibrante, vivante. Demandez-lui de crier. Oui, elle explose de joie en fait. Demande-lui si elle veut entrer en communication avec sa famille d'aujourd'hui. Oui. Qu'elle le fasse et tu me dis ce qui se passe. Je vois 5 membres se présenter. Et ils sont tous éblouis par ce qu'elle est au présent, ce qu'ils voient. Comment sa fille réagit-elle? Elle sourit. Elle vibre à la même fréquence que sa maman. La paix. Elle veut leur transmettre des informations, Aurore. Lesquelles? Sur ce qu'elle vient de
d'apprendre. Enfin, elle me dit plutôt de se rappeler. Elle transmet des parchemins. Tout y est inscrit. Chacun lit attentivement. Des écritures encore? Oui, elle est très écriture. Mais elle me dit que ça disparaît tout de suite. Elle vient de claquer des doigts, les parchemins ont disparu. Elle s'amuse. C'est fait. Elle a transmis ce qu'elle souhaitait transmettre. Elle se souvient que chacun dans son espace, chacun dans sa maison, c'est la clé. Et que ce transfert d'informations, ce transfert d'état de conscience n'a nulle barrière avec les gens qu'on aime. Nulle barrière. Oui, oui. Ok. Comment la vois-tu? Très lumineuse, joyeuse, légère, avec cette envie de goûter à toutes les choses de la vie. Comme si elle me montre un énorme buffet qu'elle vient de créer avec plein de choses à goûter. Elle me dit, c'est ça que je veux dans la vie. Regarde le corps mental. Parce qu'il y avait un défaut d'organisation au niveau des trois corps, communication. C'est très fluide, harmonieux et il y a pas de dissonance. Corps émotionnel. Il vibre pareil, harmonieusement. Sexuel. La même chose, ils sont tous sur le même rythme. Alors avec cette condition présente, tu te projettes dans le futur et tu partages ce que tu vois. Je la vois dans des créations matérielles, enfin, avec les doigts. Je la vois partager beaucoup de choses avec sa fille. Des moments comme des... avec beaucoup de légèreté, beaucoup de sincérité, une communication améliorée. Elle s'amuse beaucoup dans la vie, c'est ce qu'elle veut nous montrer. Je la vois avoir une grande sensibilité aussi pour désamorcer les conflits. Comme si elle avait en elle cette capacité à apaiser les autres. Okay. Elle rayonne la paix, Aurore. C'est vraiment une émotion qui lui est très chère. Et ce monde en a grandement besoin. Est-ce qu'elle veut à travers toi communiquer avec son corps physique? Non, elle n'en a pas besoin, elle me dit. Tout okay. Est dit. Moi, Lucie, on peut la laisser? Oui. Alors, tu la salues? C'est fait. On rentre. On rentre quand je dis « un » et que tu te déconnectes complètement de tout, complètement de tous. Déconnecté. Ton corps, ton champ vibratoire est l'émotion la plus idéale pour toi. La plus agréable, aérienne, pétillante émotion. Et c'est ainsi qu'à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Ressourcé. Ravivé, régénéré, dans ton corps physique, tu te le réappropries pleinement, forte. Cette envie de se mouvoir, de se déployer pleinement. À trois, bienvenue dans le présent.
Comment te sens-tu? Très bien. Émotionnellement? Très bien aussi. Valérie? Comment est-ce que tu te sens? Bien. Alors, tu vas juste faire comme ça pour descendre dans le micro. Ah bah oui. J'ai oublié que je l'avais levé. Super. Oui, je me sens bien. C'est passé très vite. C'est impressionnant. Ça fait du bien d'avoir des réponses à ces questions. Ça, c'est et de savoir que on n'est pas folle, quoi. Qu'il y avait bien des choses et des blocages. Non, c'est moi la reine des folles, alors. Non. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Poursuive ta blague. Poursuive ton blague. Ah, d'accord. Ok. Et je me rends compte, en fait, que j'avais pas tout dit. Et notamment, j'avais préparé ma version sublimée de moi-même. Mais bon, c'est pas grave. Le travail se fera quand même, quoi. Tu sais, comme j'ai dit en session, ça fonctionne comme un château de cartes. Alors, tu peux me présenter 100 points. Tu vois, j'ai fait une session plus tôt et le monsieur avait une vingtaine de points. Il en a mentionné deux. Il suffit vraiment d'avoir les leviers principaux. On bascule. On déstabilise la situation ésotérique, on retrouve une nouvelle situation, et c'est toutes les cartes qui sont abattues. Et tu vas t'en rendre compte que même certains points, peut-être physiques, peut-être psychologiques, que tu n'as pas mentionnés, vont également avoir un changement bénéfique par la suite. Ouais, j'ai hâte de voir tous les changements. Et j'ai hâte que tu m'en fasses part. Ah oui, ça, j'y manquerai pas. Ça, j'y manquerai pas parce que ça manque de témoignages. Il y en a de plus en plus. Je dois me plaindre moins. Il y en a de plus en plus. Là encore, j'ai récupéré un monsieur ce matin qui avait perdu un enfant, qui avait un travail insatisfaisant et ils ont eu un bébé et son salaire a quadruplé. Donc, des belles nouvelles, il y en a de plus en plus. Ah. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ouais. Dis-moi une chose, Valérie. Il y a une question que je ne t'ai pas posée plus tôt. C'est on publie ou on maintient cette session privée? Non, non, on peut publier, pas flouter, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la bonne nouvelle pour le vendredi, tu vois. Oui, je comprends. Je te garde une minute avec moi. Tu ne coupes pas, d'accord? Tu m'as promis des nouvelles, je les attendrai. Je vous souhaite un bon week-end. Ne coupe pas. Au revoir.